Assalamu alaikum, tenez, c'est pour vous. Tenez, c'est pour vous. Il ne nous reste plus qu'une famille à visiter et on a fini. Assalamu alaikum, Assiel. Tu vas bien? Wa alaikum salam. Alhamdulillah. Et toi? Alhamdulillah. Je vous vois, toi et Ibrahim, distribuer de l'argent à ces gens. Vous les connaissez tous? Non, Maryam, nous sommes tout simplement en train de distribuer la zakat de nos parents. Ces derniers nous ont donné la responsabilité d'en donner une partie à ces pauvres. Mashallah, c'est une bonne action. Mais c'est quoi la zakat? Bonne question, Maryam. La zakat constitue le troisième pilier de l'islam. Elle consiste à donner, une fois par an, une part bien précise des biens que l'on possède aux pauvres ou à d'autres catégories de personnes qu'Allah nous a citées dans le Coran, dans la sourate At-Tauba. Les sadaqat ne sont destinées que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Masha'Allah, l'entraide a donc une grande importance dans notre religion. Effectivement, Maryam, les musulmans sont des frères. Ils doivent donc s'entraider. La zakat participe grandement à cette entraide. D'ailleurs, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Nul d'entre vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Si tu aimes manger à ta faim et vivre dans des conditions convenables, tu dois donc vouloir la même chose pour tes frères et sœurs qui sont dans le besoin. » Mais pourquoi l'a-t-on appelé zakat au juste? Zakat est un terme arabe que l'on peut traduire en français par purification ou augmentation. Car la zakat est une purification et une augmentation, et cela à plusieurs niveaux. Pouvez-vous me dire en quoi elle est une purification? Tout d'abord, elle est une purification pour le croyant qui obéit à Allah en distribuant sa zakat. En effet, elle purifie le cœur du croyant de l'avarice et de son amour pour l'argent. Elle le purifie aussi de ses péchés. Et enfin, elle purifie son argent d'une partie qui ne lui appartient pas et qui doit revenir aux pauvres. Comment se fait-il que cet argent ne lui appartienne pas, alors que c'est lui qui l'a gagné et qui le possède? Pour te répondre, j'ai besoin que tu répondes à la question suivante. Qui nous a donné l'argent ainsi que tous les biens que nous possédons? Allah notre Seigneur, le généreux. Exactement, Maryam. Donc en réalité, cet argent ne nous appartient pas, mais il appartient à Allah. Et Allah nous a ordonné de redistribuer une partie de ce qu'il nous a donné aux pauvres. Donc cette partie ne nous revient pas, mais c'est plutôt un droit qu'Allah a accordé aux pauvres. Barakallahu fiki. C'est beaucoup plus clair maintenant. Revenons à présent à la purification que constitue la zakat. En plus d'être une purification pour le croyant, elle est aussi une purification pour la société tout entière. En effet, la zakat purifie la société de la pauvreté, de la jalousie qui peut exister entre les riches et les pauvres, mais aussi de l'injustice telle que le vol et les agressions. Ah d'accord, je comprends que grâce à la zakat, les pauvres peuvent vivre mieux et moins envier ceux à qui Allah a accordé plus de richesses. Mais je ne comprends pas comment la zakat purifie la société de l'injustice que sont les vols et les agressions. Tout simplement parce qu'un pauvre qui n'est pas aidé va vouloir recourir à des moyens haram pour survivre. Il pourra donc être tenté de voler ou d'agresser d'autres personnes afin de se procurer sa subsistance. Masha'Allah, effectivement, je comprends maintenant pourquoi elle est une purification. Très bien,
Pouvez-vous me dire à présent en quoi la zakat constitue une augmentation? Bien sûr, Maryam. La zakat est une augmentation pour le croyant qui s'en acquitte, mais aussi pour la société tout entière. Pour ce qui est du croyant, elle permet d'augmenter sa foi, car la foi augmente lorsque l'on obéit à Allah en s'acquittant de la zakat, par exemple. Elle permet aussi d'augmenter les biens et l'argent qui lui restent. Ah bon? Pourtant, lorsqu'il donne une partie de son argent, sa richesse diminue, non? En apparence, oui, sa richesse diminue. Mais auprès d'Allah, elle augmente. Car Allah lui accorde sa baraka dans ce qu'il lui reste comme richesse. C'est pour cela que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « L'aumône que l'on fait ne diminue en rien les biens dont on dispose. » Cela veut dire qu'une aumône ou un don ne diminue jamais les biens de la personne qui donne. De plus, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que tous les jours, un ange fait une dua en demandant à Allah d'enrichir toute personne qui dépense fi sabilillah. Enfin, comme je te l'ai dit précédemment, toutes les richesses appartiennent à Allah et c'est lui qui les distribue comme il le veut. Il a d'ailleurs dit dans le Coran qu'il subvient aux besoins de ceux qui lui obéissent et qui le craignent. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. D'accord. Donc si j'ai bien compris, lorsque je donne la zakat, Allah met la baraka dans l'argent et les biens qu'il me reste et m'accorde d'autres richesses en plus. Exactement, Maryam. Wow. Et pour ce qui est de l'augmentation pour la société tout entière, la zakat permet d'augmenter l'amour entre les croyants à travers l'entraide et ce soutien mutuel qu'elle représente. Elle augmente aussi les liens de solidarité. Mashallah, la zakat comporte vraiment beaucoup de sagesse. Je ne m'attendais pas à autant de bienfaits. Louange à Allah qui a fait de nous des musulmans. Alhamdulillah. Il nous reste encore une partie de la zakat de mes parents à remettre à une famille pauvre du quartier. Que dis-tu de nous accompagner? Avec plaisir, Asya. Assalamu alaikum. إقامة الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج بيت الله. À présent, teste tes connaissances. Question 1. La zakat est le premier pilier de l'islam, le deuxième pilier de l'islam ou le troisième pilier de l'islam? Effectivement, il s'agit bien du troisième pilier de l'islam. Question 2. La zakat consiste à prier 5 fois par jour, à être obéissant envers nos parents ou alors à redistribuer une partie des richesses qu'Allah nous a données aux pauvres. Tout à fait. Il s'agissait bien de la troisième réponse. La zakat consiste à redistribuer une partie des richesses qu'Allah nous a données aux pauvres. Question 3. Notre argent appartient à Allah et doit être dépensé selon ses ordres. Nous appartient et nous pouvons le dépenser comme nous le voulons. Doit être donné en totalité aux pauvres. Bravo! Notre argent appartient à Allah et doit être dépensé selon ses ordres. Question 4. La zakat est pour le croyant une purification de son argent et de ses péchés, une augmentation de sa foi ou alors une diminution de sa richesse?
Il s'agissait bien des deux premières réponses, une purification de son argent et de ses péchés, mais également une augmentation de sa foi. À présent, récite à ton tour le petit poème sur les cinq piliers de l'islam avec Asia, Mariam et Ibrahim. Erkanul Islami khamsa ash-shahadatain iqamatus salat ita'uz zakat sawm ramadan hajj baytillah. Voilà, cet épisode est à présent terminé. S'il t'a plu, mets un petit j'aime et partage-le avec tes amis. À bientôt sur le site de la Madrasa animée.